Salut, c'est The Hood of Night et aujourd'hui on se retrouve à Fort Pinta. Alors, parce que je fais déjà une vidéo sur Morlan, alors on va faire sur Fort Pinta un peu. Alors, donc, cette vidéo consistera à vous montrer quels chevaux on peut acheter quand on est pas Star Raider. Voilà, parce que de temps en temps, on soit des Star King, on est content. Et comme vous avez vu, moi j'ai un poney. Et pourtant, je l'ai eu sans être Star Raider. Voilà, j'ai pendant 10 jours, j'ai cette Star Raider, c'est un code qui ne marche plus. Voilà, tout le monde, ceux qui l'ont déjà utilisé connaît, c'est Happy Pix. Voilà, donc, quels chevaux on peut acheter? Alors là, on en a derrière. Vous arrivez, vous dites, cool, cool, j'ai plein de chevaux, je vais avoir du choix. Mais en fait, de choix, quand vous regardez, c'est limite. Voilà, donc, je vais faire, pied. Dites, oh mais dis donc, il est joli ce petit arabe. Je vais aller voir le prix. Par exemple, imaginez que vous avez l'argent. 910. Dites, cool, j'ai assez, mais sauf qu'il faut le niveau 10. Normalement, on s'arrête au niveau 8. Donc, vous pouvez pas. Dites, mince. Donc, vous allez voir, je suis à côté. Niveau 1, celui-là, vous pouvez l'acheter. 300, vous êtes content. Vous pouvez l'acheter, le danois. D'ailleurs, il est joli. Vous dites, oh, mais le friseur de sport à côté est encore plus beau. Niveau 8, ah mince, vous pouvez pas l'acheter. Donc, pour l'instant, on peut acheter le danois. Alors, le Holden Book. Voilà, le Holden Book. Et ces deux-là à côté sont juste là pour la déco. Voilà, parce qu'on peut pas les acheter. Si on peut les acheter, mais si on n'est pas Star Raider, on peut pas. Voilà, niveau 6. Enfin, je sais plus trop à quel niveau ça arrête. Je crois que c'est 4 ou 8. Je sais plus. Donc ceux-là, on peut acheter le danois. Et London Book. Voilà, donc sur tout cela, vous pouvez en acheter que deux. Voilà, donc hop, on remonte en selle. Alors, mardi, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de... mardi, qu'est-ce que je dis? Mercredi, je ne ferai pas de photo sur ma page Facebook. Parce que j'ai créé une page Facebook. Et donc, pas de photos, pas de vidéos, parce que mercredi, une grosse mise à jour se met. Voilà. Voilà, c'était la petite info. Et donc, vous arrivez là, tranquille, puis vous voyez un poney. Vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter un poney. Donc, vous dites, ah ouais, mais où il se trouve? Et vous n'osez pas parler à la fille. Donc, je vais vous montrer, donc là où vous êtes, là où il y a James. Là, James Bond. C'est à ça que ça me fait penser. Faut descendre les escaliers, donc. Et vous allez au port. Voilà, au port. Il y a le ferry et il y a un espèce de gros bateau. De loin, on voit que c'est vide. Tout le monde est d'accord avec moi. Mais. Si on s'approche... On commence à voir des seaux. Du foin. Par curiosité, on s'avance un peu plus. Et un poney, deux poneys, trois poneys apparaissent, quatre. Et là, je vais vous montrer lesquels sont. Normalement, ils sont tous accessibles au Monster Rider. Hop. Voilà. Oui, ils sont tous accessibles. Voilà, donc vous avez des baies. Vous avez un blanc. Vous avez un peu marron à la crinière blanche. Voilà. Vous en avez un qui fait un peu Wolfwing. Je sais pas si ça se dit comme ça. Vous en avez un peu Apollosa. Et vous avez un petit Wedge Song.
Donc bien sûr, c'est le moins cher parce que j'avais pas trop d'argent. Voilà. Et donc voilà, c'est tous les chevaux que vous pouvez acheter. Donc là, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez acheter 8 chevaux quand il n'y a pas le marché. Alors, un moment, il y avait le marché. Ah, donc le marché, il y a un marché aux chevaux. La dernière fois, il s'est situé juste à côté, là, du bateau à poney. C'est comme ça que j'appelle ça. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez quand même acheter des chevaux, même si vous n'êtes pas Star Rider. Alors, comment on récupère les Star King? Alors, lors des événements, Pâques, Noël, des trucs comme ça, l'anniversaire de Star Stable aussi, des fois, on récupère des Star King. Des fois, on a des missions avec des petits cadeaux. Mais aussi, ce que tout le monde adore avec des Star qui passent avec des Star King et un autre que les gens adorent, c'est les week-ends où on est Star Rider. Ça, c'est tout le monde adore ça. Voilà, parce qu'on est Star Rider et tout, on peut sauter. Voilà. Bon, moi, je suis pas Star Rider. Voilà, et c'était tout pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez des critiques, des questions ou si vous avez des idées d'autres vidéos. En comptant que je suis toujours pas Star Rider, hein. Et n'hésitez pas à aller voir ma page, c'est Zoé Dauphine Knight. Voilà le nom de ma chaîne. Voilà, vous avez des photos, des vidéos bonus, tout ce qu'il vous faut. Alors, et en même temps, j'annonce la sortie d'un épisode. Alors, je vais faire un enfin, une genre de petite vidéo qui s'appellera Boss et moi. Voilà. Et Boss, donc, c'est un cheval, c'est l'histoire d'un cheval que je travaille et moi. Je vous en dirai pas plus. Et je vous dis à bientôt et mais bon week-end. Enfin, non. Bonne semaine et bon courage pour la reprise.